Bonjour et bienvenue sur la chaîne des explorations du dimanche. Alors aujourd'hui on va vous présenter une villa qui était vraiment somptueuse, mais on vous avoue qu'on est un petit peu énervé. Oui, parce qu'on est rentré dans le lieu et tout était cassé. Alors vous allez voir, la vidéo n'a pas de sens d'être parce que tout est cassé, mais on va quand même vous montrer et vous dénoncer un peu tout ça en fait, parce que la maison n'a même pas 3 semaines d'abandon. Et elle est déjà détruite. En fait, il y a des gens, ils se disent « Oh tiens, c'est abandonné, si je rentrais, je cassais tout », comme si ça leur plairait qu'on rentre chez eux et qu'on casse tout. Ouais, honnêtement, c'est un truc qui me casse la tête parce que ça appartient à des gens, même qu'ils soient décédés ou pas, à respecter les lieux. Je ne le dirai jamais assez, mais faites comme nous, on respecte les lieux, on ne casse pas. Et puis, il n'y a pas que ça. La plupart du temps, quand une maison est abandonnée, ça veut dire que soit il y a des disputes d'héritage, soit il n'y a pas de descendants, ou alors ils sont en train de chercher des descendants, donc ça veut dire que ça appartient encore à quelqu'un. Enfin, vous allez nous voir dans la vidéo, on est tous en colère, tous les deux, on est en colère contre ça, et à la fin de la vidéo, il y aura encore une surprise. Voilà, bon, on vous fait des vidéos plus longues, donc j'espère que ça vous plaît. En tout cas, on essaye, parce que c'est pas toujours évident. Quand on rentre par exemple dans un lieu comme celui-ci, ouais, qui est complètement cassé, ben, ça nous décourage un petit peu de filmer, mais maintenant il faut aussi qu'on le dénonce de temps en temps. On ne peut pas vous montrer que des lieux magnifiques. Ouais, vous allez voir, ça va être carnage. En tout cas, on se retrouve à la fin de la vidéo. N'oubliez pas les petits pouces, les commentaires. Et les abonnements, ça nous fait toujours plaisir et ça nous encourage. Ouais, et de plus en plus nombreux à nous suivre et on vous en remercie. Et vraiment... Bientôt les 2000. Ouais, c'est bientôt, vrai, bientôt les 2000. Ouais. Bon, en tout cas, bonne vidéo. C'est parti. On est reparti pour un nouveau lieu. Ben voilà. Vous allez voir, c'est l'automne. Les feuilles sont à terre. Il fait froid. Enfin, ça commence à faire froid, oui. On commence à le ressentir, hein, qu'il commence à faire froid. Et là, il ne le dit pas, mais on le laissait passer devant, comme ça, il prenait toute l'étoile d'araignée à notre place. Ouais, je déteste l'étoile d'araignée. Surtout au visage, là. Je ne sais pas pourquoi on les prend toujours au visage. Toujours. Enfin, vous allez voir cette maison, honnêtement, je suis choqué, outré. J'ai pas de mots, en fait, tellement que je suis énervé sur ce genre de personne. Et je voudrais bien un jour en attraper un, et je peux vous dire qu'il va passer un mauvais quart d'heure. Oui, surtout qu'elle n'était pas abandonnée depuis si longtemps que ça. C'était une histoire de 1 mois, 3 semaines. Ouais, 3 semaines, elle était encore... En tout cas, il y a 3 semaines, elle était encore en parfait état. On a vu des photos défiler, mais on n'arrive pas à les retrouver, donc on ne pourra pas vous montrer d'exemple. Ouais, mais c'était vraiment un très très joli lieu et très sympathique. Et aujourd'hui, ça n'est plus rien. Donc vous allez voir, je ne vais pas m'éterniser dans la maison, hein. Je veux dire qu'on est une journée en urbex comme ça, surtout en hiver, les jours sont plus courts, donc on essaye de faire vite et bien. Là, j'ai été très vite et pas bien, donc ne m'en voulez pas. J'avais oublié en même temps ma lampe de poche dans la voiture, ce qui veut dire que j'ai dû piquer la lampe de poche à Coco, et la lampe de poche à Coco, c'est une lampe de poche qui... voilà. Qui fait des ronds. C'est ça. Donc je suis désolé pour la qualité des images. Mais bon, voilà, vous pouvez nous excuser pour une fois. C'est surtout que quand on voit des lieux comme ça, c'est vrai qu'on ne vous les montre pas souvent. Mais quand on tombe sur des lieux comme ça qui sont vraiment, désolé du mot, mais éclatés, ça ne nous donne pas envie d'y rester. Ah ben celui-là, vous allez voir, il est éclaté. Regardez déjà rien que l'entrée. Ça ne donne déjà pas envie d'aller visiter. Déjà, toutes les vitres sont cassées. Et pourtant, cette maison de l'extérieur, elle est magnifique. Hein. C'est une superbe villa. Ils sont dans les bois, donc vous voyez, rien contour, il n'y a pas de route, il n'y a rien. C'est un plaisir, en fait. Hein. J'aurais bien voulu l'avoir, cette maison, hein, personnellement. Mais là, franchement, elle est vraiment destroy. On n'a pas d'autre mot. Bah, vous allez voir, il y a quand même des pièces qui sont intéressantes. On n'a pas trouvé l'histoire, parce que comprenez bien que là... Déjà, il n'y avait aucun document. Ouais. Alors ici, pour rentrer, il y a des morceaux de verre un peu partout. Hein. On a tout cassé. Et regardez le lieu. Déjà, rien qu'à l'entrée, on comprend déjà sur quoi on tombe. Alors, tous les carreaux sont cassés. Il y a des meubles qui sont cassés. Il y en a qui sont entassés dans un coin. Alors, par contre, il y avait un joli piano. On voit qu'il a pris bien les champignons. Ouais, bien l'humidité. Ouais. Il y a un drapeau belge. Donc on est bien en Belgique et regardez, on a tout jeté à terre, on a tout saccagé, enfin voilà. On a empilé, regardez, on pourrait voir une télé, mais comment voulez-vous la mettre en marche si elle est comme ça? Malheureusement, c'est aussi le mauvais côté de l'urbex et on voulait aussi le dénoncer parce que
Voilà, nous, notre plaisir, c'est de visiter des lieux, de les respecter et surtout respecter les gens qui y habitaient, même s'ils sont décédés, même s'ils sont plus là. Bah, il y a quand même une histoire de respect là-dedans. Et bah, là, il y a des gens, ils n'ont aucun respect pour rien et je trouve ça vraiment... Enfin, voilà, c'est des abrutis. Enfin, dites-nous en commentaire aussi si vous êtes du même avis que nous. Mais moi, je suis vraiment déçu de ce lieu, en fait. Oui, parce que d'extérieur, comme vous avez pu voir, il y avait plutôt pas mal de potentiel. Mais là, au fur et à mesure qu'on avançait, on se rendait bien compte que c'était plus le cas. On va rentrer maintenant dans une pièce qui est encore intacte. Alors bon, il n'a pas été saccagé, on se demande pourquoi. Voilà, c'est un petit débarras, un petit garage, où il y avait tous ces outils de jardinage. Apparemment, ils aimaient bien le jardinage. Il y avait aussi un frigo dans le fond, on n'a pas trop compris pourquoi, mais bon. Ouais, le frigo tout rouillé, en plus, il doit dater des années, hein, celui-là. Bon, comme je vous ai dit, on va pas rester très longtemps dans le lieu. On a un deuxième qui va arriver après celui-ci. Et il est quand même un peu plus joli, mais encore un peu plus étrange. Oui, il est plutôt bizarre, le deuxième lieu. Même les portes, il y en a qui sont amusés à faire des rayures dessus. Qu'est-ce que ça leur apporte? Voilà, on arrive dans la cuisine. Alors, je vous raconte pas l'état de la cuisine. D'ailleurs, je ne suis rentré que d'un pied. Parce que bah, ça servait à rien, voilà. Toutes les portes étaient ouvertes en plus, donc ça se voyait bien que ça avait été fouillé. Ce qui était marrant, c'était à côté, là, on pouvait voir l'autre pièce. Ouais, c'était étrange, on dirait que le meuble a été cassé, je sais pas. En tout cas, il y avait beaucoup de champignons dans le lieu. Et là, on arrive dans une chambre qui est plus ou moins intacte. Mais c'est très joli quand même à visiter, même si c'est saccagé, parce que ben voilà, ça a quand même une âme. Il y a quelqu'un qui a vécu là, donc pour nous, c'est important. Regardez les chaises de jardin. Et là, on va tomber dans une chambre d'adolescent ou adolescente. Ce qui était marrant, c'est que les chambres étaient vraiment toutes petites, malgré la taille de la maison. Alors regardez, ce qui est drôle, c'est même le carreau... Enfin, ce qui est drôle, c'est pas drôle, mais il y a même le carreau qui est cassé là-bas, quoi. Je vois pas l'intérêt, mais bon, voilà. Un évier aussi dans la pièce. Ça, c'était plutôt bizarre. Et juste à côté, bah, on a les toilettes et la salle de bain. Bon, c'est encore plus bizarre, mais... Il y avait quelque chose dans les toilettes, bon, je ne sais pas ce que c'est. Et dans la salle de bain, ben, il y avait un petit morceau d'aspirateur. Bon, un lieu assez, décevant, mais c'est ça aussi notre découverte des fois. En tout cas, voilà, ben, on a fait la visite du lieu, ça a été rapide. Bon, il n'y avait pas grand-chose à montrer, mais là, on va vous faire découvrir un lieu un peu plus mystérieux et un peu plus bizarre. Déjà ici, on commence avec un trou dans la maison. Au moins, on était sûr qu'on pouvait rentrer, là. Ah oui, là, il n'y avait, voilà, il n'y avait pas de problème de porte. Hein. Il y en a une pourtant, mais elle est ouverte. Bon, apparemment, c'est en rénovation, mais on s'est quand même permis de rentrer. Il n'y avait personne. C'était un dimanche et on s'est dit, allez, go! Oui, on se dit que c'est en rénovation parce qu'il n'y a aucune fougère, aucune ortie, ni quoi que ce soit qui traînait justement dehors. Il y a également ici sur le côté des affaires, des outils, comme si on était occupé à essayer de réparer quelque chose. Mais par contre, regardez la maison. Honnêtement, le carrelage est magnifique. La cheminée est magnifique et le plafond, n'en parlons pas, et le lustre, alors là, boah. Ce qui était marrant dans cette maison, c'est que dans chaque pièce, il y avait un lustre, mais différent, et pourtant tout aussi atypique. Ouais, vraiment, c'est étonnant de rentrer dans des pièces comme ça, parce que on tombe sur un lieu qui est abandonné,
qui est en rénovation. Il reste les lustres et la moitié des pièces sont vides. Mais donc, comme je vous disais juste avant, vous avez vu les lustres, enfin, ils sont vraiment tous différents. Ouais, vraiment super beau. Hein. Et là, il y avait un poêle. Le miroir était juste magnifique. Je ne sais pas qui a repris le lieu, mais en tout cas, il a une belle maison. Hein. Mais il a pas mal de travaux à faire. Ouais, mais rénovée, elle va être superbe. Le carrelage, moi, je le trouve trop, trop joli. Bon, par contre, on ne va pas parler du carrelage de la cuisine, il n'y en a plus. Bon, cette maison, en tout cas, révèle vraiment des choses. Là, on tombe, on va regarder, il y a une porte qui s'est ouverte. Bon, je me dis, je vais quand même aller la fermer, mais je me rends compte que ça ne sert à rien, parce qu'il n'y a plus de fenêtre. Et en plus de ça, c'était le vide, juste après. Oui, c'est ça. Et en fait, le problème, c'est le courant d'air. Il y a du courant d'air partout dans cette maison, donc il faisait très froid, très humide. Et là, on rentre dans la cuisine, mais regardez, il manque vraiment une partie de la maison, comme si on avait arraché quelque chose de celle-ci, une pièce ou... Ouais, est-ce qu'ils vont faire une extension, je ne sais pas. Puis là, il y a une échelle et un cône, c'est ce qu'il nous a dit aussi, que peut-être qu'elle était en rénovation, qu'elle avait été rachetée. C'est vraiment étrange comme lieu, parce que... Il y a encore un poêle à charbon que vous avez vu juste avant, il y a un thermomètre au mur, enfin le tapis, enfin je sais pas, c'est étonnant. Elle est plutôt vide, mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a encore des cadres et tout ça qui sont accrochés au mur. Et c'est seulement là que j'ai vu que la fenêtre était ouverte, hein, parce qu'en fait le courant d'air n'était pas parti. Et là tous les meubles ont été mis exactement dans la même pièce. Puis comme d'habitude, on trouve une machine À coudre, voilà. Regardez un peu le marbre sur le mur. Hein. Bon, je ne sais pas si c'est du marbre ou du tapis, mais c'est très beau. Alors, on va revoir les meubles. Vraiment, on dirait qu'on avait entassé tous les meubles qui restaient de la maison dans la même pièce. Et ces miroirs, hein, c'est vraiment... En tout cas, c'est vraiment une belle maison. Bon, on vous fait un peu découvrir aussi des lieux un peu différents, un peu surprenants. Oui, et là, il vous a fait coucou avec son lampe de poche. Alors, vous allez me voir dans tous les miroirs, de toute façon. Il y avait des miroirs partout dans cette maison. Alors ici, il y a une petite blague. C'est que... La porte, vous la voyez là ? En fait, je me dis, tiens, il y a une pièce là, je ne l'ai pas vue pourtant, c'est étonnant, mais j'essaye d'ouvrir et là, il y a Coco derrière qui me dit, n'ouvre pas, il n'y a rien de l'autre côté, c'est le vide. Je fais, ah ouais, ok. Donc, je vais regarder par curiosité et en effet, il n'y a rien, c'est le vide, complet. Donc, c'était super sympa, hein, honnêtement, j'aurais ouvert la porte, vous imaginez, passer le premier pied et hop, de l'autre côté, à terre. Et là, regardez Coco, elle est en train de rigoler malade parce qu'elle a failli y passer, elle, justement. Oui. Elle, par contre, elle est tellement curieuse qu'elle a été voir le trou et ben voilà, c'était pas... C'était profond, on va dire. Et regardez les cadres. Ils sont originaux. Ah, ici, pour moi, c'est la plus belle pièce de la maison. Hein. Regardez ça. Alors, je ne sais pas si c'est un tapis, un carrelage, mais waouh! C'est vraiment impressionnant, je trouve. Surtout la cheminée. Un ancien lit, mais il manque le matelas et le sommier. Le sommier, oui. Voilà. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire dans cette maison, sauf que nous, on est bluffés par tous les tapis au mur, par les cheminées, par les lustres, parce que les lustres, chaque pièce est un lustre différent. Et je trouve qu'ils sont vraiment très très beaux. Alors, bah, faut dire qu'ils avaient du goût. Ouais. Ici, je vais fouiller, mais il n'y a rien. Vous voyez, c'est vide. Voilà. Bah, attendez, mais là, il ouvre une autre porte et il se dit « Ah, il y a quelque chose !» Ouais. Voilà, un cintre. Bon, des fois, dans des maisons, on tombe comme ça sur des choses qui n'y a plus rien. Et bah, on voulait quand même vous la montrer parce que bah, je trouve qu'elle a un charme. Énorme.
Il y avait encore des croix dans toutes les pièces, pratiquement. Ouais, encore une maison croyante. Regardez, ce tableau est juste magnifique. Et là, je me dis, oh, tu vois, il y a une cache secrète. Ben non, c'est une penderie. Au moins, on peut dire qu'ils savaient rentabiliser l'espace. Et là, je me dis, bah tiens, il y a une... J'allais dire une échelle, non, un escalier. Je me dis, bah, il y a encore un étage. Bah, qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller visiter l'étage. Bon, je suis en haut. En général, s'il y a des briques à terre, ça veut dire qu'il y a le plafond qui est en train de se laisser aller. Ben là, c'est pas le plafond, vous allez voir. Alors regardez, en tout cas, il y a de la place. Hein. On peut faire une chambre. Hein. C'est ça, il y aurait possibilité de faire une belle petite chambre. Enfin, petite, plutôt une grande chambre. Ah ouais, franchement, il y a du potentiel, en tout cas. Et j'ai vraiment... Enfin, moi, je trouve vraiment très, très joli. Ça nous laisse vaguer à notre imagination, vraiment. Ouais. Et ici, on se dit, mais où elles viennent d'où les briques? Ben regardez, la cheminée. Regardez le trou. Ouais. Voilà. Alors, est-ce que c'est le Père Noël qui est passé par là? Qu'il était un peu trop lourd. Qu'il est resté coincé et qu'il a cassé les briques pour en sortir. Et puis, la seule chose qu'il y avait là, bah, c'était ceci, donc un petit meuble. Il y avait également un sommier qui était posé contre... Le sommier du lit en bas. Ouais, qui était posé contre la rampe d'escalier. Un autre petit meuble, mais vraiment rien de particulier. Donc on redescend. Ouais, mais là par contre, regardez la rampe, hein. Elle est cassée, donc il faut pas se tenir à la rampe. Et en tout cas, ben, les marches, elles grincent et ben, c'est un peu dangereux quand même. Mais bon, on a l'habitude. On va dire que c'était pas rassurant. Et là, il reste encore des pièces à visiter, bien sûr qu'ils sont bien vides, mais il reste quand même quelques trucs à l'intérieur. C'est vraiment étonnant de voir ce genre de maison. Voilà, c'est une maison des potes. Je ne sais pas de quelle époque elle date, mais voilà. Et là, encore une penderie sous l'escalier. Même si là, pour le coup, on ne voit pas les marches de l'escalier en question. Puis ici, ben, Fabrice fait un petit peu son petit curieux. Ouais, mais vide. Alors ici, peut-être plus de chance. Non, non, malheureusement. Alors il n'a pas continué, il s'est dit ça servait à rien et il a continué. Voilà. Ce qui était étonnant dans cette pièce-ci, c'est que tout le sol était rempli de vieux journaux. Ouais, comme si on était en train de repeindre le plafond. Ah, vous voyez, c'est assez bizarre. Et là, c'est un vieux cadre. Bon, je ne sais pas du tout ce que c'est. Si vous savez, vous pouvez le mettre en commentaire, parce que là, je sèche. Puis on continue avec la prochaine pièce. Ouais, et là, c'est étonnant, c'est qu'on prend la porte de gauche ou la porte de droite? Et au final, bah, que ce soit l'une ou l'autre, on est dans la même pièce. Voilà. Donc, est-ce que vous avez déjà vu ça, vous? Une chambre comme ça qui a deux portes pour rentrer dedans? En fait, c'est si tu te disputes. Il y en a un qui claque une porte et l'autre. Ouais, c'est ça. Ou alors, je sais pas, tu choisis la porte que tu veux quand tu sors le matin. Mais c'était assez étonnant. À vrai dire, c'était la première fois qu'on voyait ça. Là, quand on sort de la chambre, si on sort de la porte gauche, ça veut dire qu'on est levé du pied gauche. Si on sort de la pièce droite, on sort avec le pied droit. Parfois, ça lui arrive de dire des belles bêtises. Hein. Oui, bah, il en faut. Hein. Puis ici, bah, un placard. Ouais. Certainement le placard de la chambre aux deux portes. On va l'appeler comme ça. Voilà, super, hein, c'est magnifique. Il n'y a rien dedans. Voilà. Bah, c'est un lieu, il n'y avait pas grand-chose dedans, mais je le trouve, je trouvais qu'il fallait vous le montrer. Et... Bah, des fois aussi, c'est ça l'urbex, c'est qu'on tombe sur des pièces ou des maisons où il n'y a rien. Voilà. C'est ça. Mais celle-ci, ça méritait quand même, je pense, en tout cas, rien qu'avec les lustres. Regardez encore un qui est différent, mais cette fois-ci, il est mauve. Ouais. Voilà.
Ouais, voilà, comme on dit, voilà, bah, on est un peu déçu de cette façon de faire de certaines personnes. Alors, on en sait fait, pas on ne si comprend c'est... pas. On ne sait pas si c'est des urbexeurs ou pas, donc on va dire que c'est quelqu'un. Parce qu'on sait bien que, par exemple, il y a certains urbexeurs, pour gagner, garder l'exclusivité de la vidéo en question, dès qu'ils ont fini leur photo, ils détruisent tout, tout simplement. Et on ne voit pas pourquoi, parce que ce n'est pas l'esprit urbex. Alors, je peux vous dire, en tout cas, cette villa était magnifique, vraiment. Corinne a failli tomber, d'ailleurs, c'était assez marrant. Enfin, bon, pas marrant. Lui, il se marre. Oui, elle s'est pris des fils barbelés. Donc, elle a failli tomber. Il se marre encore. Hein. Elle n'a rien. Ça, c'est un ami. Voilà, c'est ça le principal, c'est qu'elle n'a rien. Bon, on se retrouve, en tout cas, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bon dimanche, bon week-end, et on se retrouve la semaine prochaine. Oui, à dimanche prochain.